Aya, wa, jo, shtlef. Non. Répète avec moi. Aya, wa, jo, shtlef. Viva l'Algérie! Un, deux, trois. Viva l'Algérie. يا السلام عليكم خوتي وزلف اللون ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم شيري فلوج ديزاد. اليوم خوتي فيديو اليوم ان شاء الله راح نجيبوا على جميع اسئلتكم سواء الاسئله اللي طرحتوا علينا في تيك توك ولا الانستغرام ولا اليوتيوب ولا خوتي راح نجاوب على الاسئله اللي هم باللغه العربيه واللغه الامازيغيه اما ايميلي راح تجاوب على الاسئله باللغة الفرنسية بصح خوتي ما تخافوش ندير تراديكسيون لصحاب فرنسا اللي ما يفهموش العربية عندهم تراديكسيون فرنسي وهذوك اللي ما يفهموش الفرنسية ندير لا تراديكسيون اون عرب هيا خوتي بدون إطالة الفيديو ليتس جو دونك خوتي سؤال أول من ياسك وحراشي هل مازال نساء الفرنسيات عندهم ثقة بالرجال الجزائريين إذا قالها أنا حراك واش نقول لك يا خويا العزيز سا ديبون الفرنسيات باسكو كاينين اللي يقبلوا بالحراقه وكاينين اللي ما يقبلوش بالحراقه alors une question TikTok de lunatique 20 depuis quand vous êtes ensemble et bien ça fait maintenant un an qu'on est ensemble avec chérie سؤال ثاني من روف عيدة هذا سؤال باللغة الفرنسية donc on va lui répondre ensemble est-ce que la différence culturelle entre vous pose parfois des problèmes alors aujourd'hui non ça ne nous pose plus de problèmes au début ça a pu poser des problèmes sur des choses qu'on interprétait différemment par rapport à notre culture donc à force de communiquer dessus on a compris la signification qui peut être différente pour chacun, on a trouvé des compromis et depuis non ça ne nous pose plus de problème bien au contraire alors une question de Choukriram Danywan avez-vous des enfants derrière non on n'a pas encore des enfants mais allons s'arrêter derrière vraiment ça on mais mazal ماشي ثورا سؤال تالي من ميدو دانييلو حابين تستقروا في فرنسا لا اخي العزيز لا نريد الاستقرار في فرنسا لعده اسباب بالك بلوطار ان شاء الله ندير فيديو علاش ما حبيش انا وزوجتي استقروا في فرنسا لكن الاجابه على سؤالك لا نريد الاستقرار في فرنسا alors une question de so.zm5 comment tu as annoncé ton engagement à ta famille kabyle et comment ont-ils réagi tout d'abord je l'ai annoncé par visio parce que ma famille elle vit encore en Kabylie et franchement j'ai de la chance d'avoir une famille cool ils ont très bien réagi ils étaient contents pour nous et ils sont fiers de moi et de nous aussi. Tes parents étaient très émus. Oui. سؤال من حسام ديزاد. سلام خويا معليش تقولنا شحال الفرق سن بينك وبين زوجتك اذا لم يكن هناك مانع. السؤال الكثير يعني طرحوا لي هذا السؤال. اذا اخي الفرق بيني وبين زوجتي هو 5 سنوات. Une question d'un ou une abonnée fidèle sur TikTok, Sapin Loco. Comment et où vous vous êtes rencontrés? Alors, comment on s'est rencontrés? On s'est rencontrés par les réseaux sociaux. C'est Chérif qui est venu me parler la première fois. Et où on s'est rencontrés? Parce qu'il a bien fallu se rencontrer en vrai. C'était à Marseille. On a d'abord fait un café qu'on a pris tous les deux et ensuite un escape game qui était sur le thème de Walking Dead. Pour la petite histoire, le décor, donc c'était une prison avec deux pièces et des cellules qui étaient dedans. Le but du jeu c'est de sortir d'escape game quand même à temps et Sheik nous a enfermé dans une des cellules. Bah c'est la première fois que je joue à un escape game. En Algérie, je l'ai jamais fait. Je sais même pas si on a en Algérie. En tout cas c'était très sympa et si vous voulez en savoir plus, on a fait une vidéo dessus, oui. Vous le trouverez dans la barre de description. سؤال من إتش يوسف ربي يحفظك شكرا لك يا خويا يا ريت جاوبنا واش بصح الفرنسيات يخافوا يرتبطوا بالعرب صديقو خويا صديقو باسكو بار اكزومبل الفرنسيات اللي ساكنين في المدن الكبرى لا اظن انهم خايفين من ارتباط بالعرب لان في المدن الكبرى تلقى كامل الاعراق في المونت تلقاهم هناك دونك ماشي كيما الفرنسيات اللي ساكنين بار اكزومبل في القرى ولا في الاماكن اين لا يتواجد الكثير من العرب هذوك الفرنسيات طالما على بالك في الميديا للاسف الميديا يشوه صوره
العرب والمسلمين دونك عندهم هذيك الصوره بصح اون جينيرال اخي الكريم لا الفرنسيات لا يخافون بالارتباط بالعرب alors une question à nouveau TikTok de Nordine 78500 donc c'est pour Chérif tu es d'où en Kabylie moi je suis de Tatmaït Wilaya Tizi Ouzou. C'est très bien ce que tu fais avec ta femme, tu fais vivre la langue berbère, continue. تنميرتي كيما نكين نبقايف وصحيت لها نكيما سميت جيتا كومنتاري سؤال من أشرف تحياتي ليك خويا أشرف Est-ce que vous partagez les charges tous les deux, tout ce qui est loyer, course, bon continuation, inchallah. Je te laisse répondre à cette question. Alors oui, on partage des charges, c'est moitié-moitié, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Et du coup, alors on a trois questions de Gentleman 0074. Première question, que faites-vous dans la vie ? Moi je suis influenceur sur les réseaux et je fais aussi de côté un job étudiant. Et moi je suis psychologue depuis plusieurs années, j'ai mon cabinet et j'accompagne du tout petit à l'adulte en séance de psychologie. Deuxième question de Gentleman, est-ce que vous envisagez de rester à Marseille ? À court terme, oui. À long terme, non, mais on ne sait pas encore où on aura envie d'aller, ce serait peut-être l'idée de changer de pays. Peut-être un pays asiatique ou un pays arabe, on ne sait pas. Peut-être. Troisième question de Gentleman. Combien de frères et sœurs pour tous les deux ? Pour ma part, j'ai une sœur qui a 10 ans de plus que moi. Et pour ma part, j'ai un grand frère qui a 8 ans de plus que moi. Donc, سؤال التالي. Tac. Hakim Mzhoudi. Zoué. Alors, une question de Marmite013 Azulia Kamak. Est-ce que vous connaissez une femme polonaise à me présenter ? J'ai 52 ans, Rachid. Alors écoute Rachid, malheureusement, toutes les femmes polonaises que je connais, elles sont tristes, mais je suis convaincue que tu vas trouver l'élu de ton cœur bientôt. Bon courage à toi. Bon courage à toi Rachid. سؤال التالي من زوس. انا راني جاي في سبتمبر لمارسي قول لي كومون تروفي ان جوب اتيديون تماك باش تلقى ان جوب اتيديون لازمك تو دابور تكون عندك كارت سيجور باش ما تخدمش اونوار وثاني لازم تدير سي في وتبوستو لي سي في هذا ما كان A savoir que le nombre d'heures pour un étudiant algérien en job étudiant est limité à 15 heures. صح تقدر ثاني تنégocier خويا normalement في القانون يقولوا لك عندك 15 heures semaine, بصح اذا حبيت دير بلوس normalement تقدر دير بلوس. Alors, une question de Jamaretso. Comment vos familles ont-elles réagi à votre couple? Comme on l'a dit, la famille de Chérif, elle a très bien réagi, elle était très heureux, les parents étaient très émus, ils nous ont souhaité tout le bonheur. Pour ma famille, ça a été plus divisé, ça a été plus compliqué. Il y a une part qui l'a bien reçu et une autre part, deux personnes proches notamment, qui l'ont très mal reçu. Ça a été sujet à beaucoup de préjugés, d'amalgames. On a fait une vidéo dessus justement pour expliquer comment ça s'est passé du côté de ma famille. Si ça vous intéresse, vous la trouverez aussi sur la chaîne YouTube. Prochaine question de Abdelhat Haddadi. Votre femme Emily vous a-t-il déjà dit que je voulais être voilée ? Bonne chance à vous, frère chéri, et que Dieu vous protège, vous et votre femme. Je vous aime tous les deux. On t'aime aussi, mon frère Abdelhak Haddadi. Pour répondre à ta question, non, elle ne me l'a pas demandé. Mais personnellement, je ne vais jamais l'obliger à le porter ou la forcer parce que ça, c'est un truc entre elle et Dieu et ça le concerne, elle. C'est un choix personnel. Voilà. Ah, une question de Tim Hinan Méziane pour toi. Tu es venu en quelle année en France, chérie ? Je suis étudiante Kabyle en France et je veux connaître ton parcours. Azuf Lamatin Hinan, ça fait une année que je suis en France, je suis venu en 2021. Et en Algérie, j'étais à la fac de Bijaya, à Abu Dhaou. J'ai eu ma licence l'année passée et après j'ai postulé pour un L2 ici en France, à l'université Aix-en-Provence, à la SUR. Et ce que je voulais dire aussi, j'ai déjà eu un refus. Du coup, j'ai un message à passer à les étudiants kabyles ou bien algériens. Si vous avez déjà reçu un refus, faut pas baisser les bras, faut pas se décourager. Tentez jusqu'à Tsaoumi le visa non, Inch'Allah. Alors, une question de Anan Adouane. Bonsoir, beau couple.
Une toute petite question, ta chérie a-t-elle déjà visité Vijaya? Oui, j'ai déjà visité Vijaya cette année durant le mois de Ramadan et c'était juste incroyable et magnifique. Je crois qu'actuellement c'est la plus belle destination que j'ai faite. Alors, on a une question de 44-98-70. Quelle est la culture qui domine au quotidien? Alors, déjà on va parler de culture qui domine parce que ce n'est pas un rapport de force. On va parler de culture qui coexiste. Donc les trois cultures elles coexistent, à savoir française, polonaise, Kabyle algérienne. Donc les trois elles existent au quotidien. Maintenant, quelle est celle qui est le plus présent? Celle qui est la plus présente, ça va être la culture kabyle. Pas parce que Chérif me l'impose, mais parce que moi, naturellement, j'ai envie d'aller plus vers cette culture-là. Une culture dans laquelle je vais retrouver beaucoup de valeurs qui me plaisent. Et j'ai envie de découvrir cette culture-là, donc elle va être un peu plus présente dans notre quotidien. Mais les trois, globalement, elles coexistent ensemble. Et j'aimerais bien aussi plus tard, quand on aura des enfants, Inch'Allah, ils vont avoir les trois cultures. Question suivante, de Arbi 951. Quand tu es allé en Pologne, un jour avec ta femme et en Kabylie. Alors la Kabylie c'est bon, on l'a déjà fait. C'est validé et on y retournera avec grand plaisir. Inch'Allah, et la prochaine fois qu'on va partir en Kabylie, on va faire des belles vidéos ensemble. Et pour la Pologne, oui j'aimerais bien partir, comme ça je vais découvrir sa culture là-bas et aussi voir son village. Et puis lui faire découvrir des villes comme Varsovie, Cracovie et une fameuse spécialité culinaire qui est les pierogies. Tu connais pas ça, non? Non, je connais pas. Elle sait pas cuisiner, hein. Malheureusement. Pardon? Ah, une question d'une abonnée TikTok qu'on a souvent vue. Léonie XX10, dans la vie de tous les jours, êtes-vous comme dans vos vidéos? En bonne entente, connivence. La réponse c'est oui. Dans la vie de tous les jours, on est comme dans les vidéos. On rigole beaucoup, on est très fusionnel. Notre entente se passe très bien. Bien évidemment, comme dans tous les couples, il y a des petits accrochages. Mais qu'est-ce qui fait qu'on s'entend aussi bien? C'est que depuis le début de notre relation, on veille à travailler la communication chaque jour, c'est très important. On a d'ailleurs une règle qui est celle de ne rien garder de négatif dans notre cœur. S'il y a quelque chose qui ne nous plaît pas, on en parle, on en discute et on résout les problèmes. Ça évite d'accumuler des choses négatives et de créer des gros conflits. Et j'aimerais aussi rajouter un truc. À la base d'un couple, pour que ça marche, c'est le respect, la communication et l'entente. Une question de Binas DN. Vous avez quel âge tous les deux? Alors, moi j'ai 21 ans. Et moi j'ai 26 ans. Et pour anticiper sur les questions que ça pourrait créer sur l'écart d'âge, non, l'écart d'âge n'est pas un problème entre nous. Chéri, vous le voyez actuellement, il a peut-être 21 ans d'extérieur, mais à l'intérieur, il a plus de 30 ans. Mais plus sérieusement, ce qui compte dans un couple, c'est pas l'écart d'âge, ça va être la maturité des deux personnes et qu'il n'y ait pas de trop grand écart entre la maturité des deux personnes qui s'aiment tout simplement. Vous pouvez avoir une personne qui a 18 ans et qui va avoir plus de 30 ans de maturité dans sa tête, et vous pouvez avoir des personnes qui vont avoir 50 ans et qui vont réfléchir comme des enfants de 3 ou 4 ans. Donc ce qui compte vraiment, c'est le fait de se sentir prêt, mature, c'est ça qui fonctionne. Et aussi responsable. Exactement. Je gourre ta joujou. T'as déjà vu plusieurs fois sur TikTok toi. You get it. Vous êtes de quelle région en France? On est de la région PACA, Provence, Alpes, Côte d'Azur, mais on est pas né dans cette région-là évidemment, moi je viens de Paris au départ. Et moi je viens de la Kabylie, Vijaya, la petite Kabylie. Et dernière question, James Trippin, il vient de Kabylie. Vijaya. Voilà les amis, la vidéo du jour est terminée, j'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu, à commenter ou à partager. Si vous avez d'autres questions par rapport à ce qu'on a dit, vous n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire. Si vous voulez une partie 2 avec d'autres questions, vous nous le dites. Yallah khawti, narakom fi video mokbil inshallah. Peace.